L'affaire Villemain renvoyée, le procès qui devait s'ouvrir aujourd'hui aux assises du Rhône de l'affaire du jeune Dessinois Adrien Villemain, tué par balle en mai 2009, a en effet été reporté suite à l'absence de l'un des experts chargés d'éclaircir les conditions de cet homicide. Le suspect, un sexagénaire riverain des lieux du drame, avait bénéficié dans un premier temps d'une ordonnance de non-lieu avant d'être renvoyé aux assises. Il est donc reparti libre cet après-midi. Les parents d'Adrien Villemain sont de leur côté effondrés par ce report. Nous, ça fait 6 ans et demi qu'on attend ça, qu'on veut savoir pourquoi notre fils a été tué et que la personne soit condamnée. Et on nous fait encore reporter notre procès. Donc c'est de l'injustice, encore une fois, encore plus. C'est inhumain, c'est inadmissible. Ça nous révolte, voilà. Et voilà, on supporte pas, quoi. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on aura le nouveau procès.